Tu m'as mis, tu vas pas mollement, toi. Mais j'avais la priorité, tu viens de laisser passer. La priorité, oh. Connais-tu ça, c'est cafouilleux, là. Cafouilleux. Oh, ben, qui c'est qui a rebouti l'autre? Ça va, rangez-vous le long du trottoir. Ne discutez pas, Jean. Faites faire un constat et rentrons. Bien, madame. Parce que c'est pas la dégonzesse de luxe, ça se croit tout permis. Non. Toutes les rues de Paris sont à eux. Ça va, gardez vos réflexions pour vous. D'abord, il y avait barrage, il n'y avait qu'à s'arrêter. Ouais, vos papiers. Je ne vais pas pouvoir repartir, madame. Je crois que ma direction est faussée. Il va falloir envoyer la dépanneuse du garage. Oh, quel ennui! Faites le nécessaire pour la voiture, Jean. Bien, madame. Dis donc, mais c'est Margot Fontaine, la grande vedette. Non, arrêtez-moi un taxi. Bien, madame. Déchaussez-moi, passez-moi à déshabiller. Oh, je suis éreintée. Il y a des gens au salon qui attendent madame. Mais qui, mon Dieu? Mais je n'ai pas le temps. La maison Denis demande une attestation pour son parfum à une goutte en feu. Hein? Il me fait mal au cœur. Ils offrent 10 000 francs. Alors, c'est mon parfum préféré. On a apporté ce collier de perles pour madame. Oh, mais c'est très gentil, ça, mais qui? Les bijoux Trucard. Ils demandent une photo dédicacée. Ah bon, vous signerez la photo vous-même. À perles fausses pour autographe. Il y a le magazine de la femme qui demande une définition de l'amour. Ils sont pas encore fixés. Amour, l'amour est une espèce de catch où toutes les prises sont bonnes. Madame a déjà employé cette formule pour Marie-Louise. Dites à mademoiselle Jeanne de chercher ça elle-même. Bien, madame. Il y a aussi la couturière qui attend dans l'antichambre. Elle dit que si madame n'essaie pas à l'instant ses robes, elles ne seront jamais prêtes pour le film. C'est bon, je vais la recevoir. Oh, dire qu'il faut encore dîner ce soir avec la presse étrangère et que demain je recommence à tourner. Ah, j'aurai une jolie tête. Monsieur n'est pas encore rentré? Si, madame. Monsieur le comte est dans son bureau avec le metteur en scène de madame, monsieur Dornac. Tous les deux seuls, enfermés? Ils ne se sont pas encore dévorés? Je vous répète qu'il faut changer ce dialogue. Ce n'est pas du français, c'est du charabia. Vous vous y connaissez? Peut-être plus que vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être metteur en scène? Metteur en boîte. Qu'est-ce que? Oui, je fabriquais des allumettes. Alors je les mettais en boîte. Maintenant, vous mettez en boîte des navets et le public par-dessus le marché. Seulement, comme ce sont mes capitaux qui dansent, j'ai tout de même le droit de formuler une opinion. Eh bien, aujourd'hui, le public veut des gags. Vous entendez? Des gags. Ah! Des gags. Ah! Un gaga, un gaga. Vous feriez mieux de garder votre esprit pour le mettre dans vos films. Ils sont pauvres, vos films. Très pauvres.
Ils me coûtent cher, mais ils sont pauvres. Quant à vos dialogues, ils sont insipides. Alors, messieurs, nous allons le premier tour de manivelle demain. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, entièrement d'accord. Oui, à part quelques menus détails que nous mettrons au point en travaillant. Moi, ce que je préfère dans le scénario, c'est le dialogue. Ah, n'est-ce pas? C'est ce que je disais à Dornac il n'y a pas 2 minutes. Fils. Bonsoir, vieux. Alors, bonne journée. Bah, trop meilleur que tous ces jours-ci, tu sais. Ah, quel colique. Et la nuit, c'est encore pire. Heureusement que ce soir, il va flotter. Alors, jusqu'à 7 heures, je peux encore me faire 60 balles pour lui, compris. Dis-moi, Philomène, elle a gazé? Bah, elle est tout au plus gazouillée, tu sais. Je suis rentré sur 3 pattes. Ah. Ouais. Faudrait que tu changes une bougie. Ah. Bon, tu sais, faudra s'acheter une autre bagnole dès que le fric rentrera. Bah alors une belle, hein, aérodynamique avec la TSF et puis tout et tout. On en reparlera, mon vieux. Je t'en ai servi. Je t'ai déjà dit que je te dispensais de me donner du galon. Oh, je peux pas m'en empêcher, moi. Ça me rappelle tant de souvenirs, tu sais. La marine, l'équipage, l'aviation. Eh ben, il est pourtant fini, ce temps-là, mon vieux Mimi. Il est bougrement fini. Ah oui, hélas. Quoi, hélas? Tu veux pas me dire que tu regrettes la guerre? La guerre, non. Mais l'équipage, oui. Et c'est vrai qu'on s'en faisait moins que maintenant. Hein. D'abord, j'avais encore de l'argent. Oh, c'est pas seulement pour ton fric. En somme, tu m'aimais pour moi-même. Ah, ça comptait, t'étais mignon tout plein, disais ton uniforme d'officier de marine. Hein. Et puis ton petit macaron tout neuf. Bon Dieu, que c'est chaud. Ben et toi? Tu dis que t'es pas mal en second maître. Et quand j'étais ton mécano, et ben le zinc, il était toujours au poil. Et puis quand t'étais au manche à balai, et puis moi la mitrailleuse, et ben les frites, tu pouvais venir, hein, lieutenant. Tu te rappelles notre dernier taxi? Celui de la Grande Gaufre, le spat biplace avec les 2 vicaires jumelés, là. Oh, comment tu le retournais ce coucou-là, dit. T'as même failli me foutre par-dessus bord avec l'appareil photo. Oh oui, c'était marrant. Je suis certaine de l'avoir mis dans mon sac avant de sortir de la banque. Vous n'avez rien trouvé dans la voiture? J'ai regardé partout, monsieur, entre les coussins, il n'y avait rien. Alors vous l'aurez certainement laissé tomber en payant le taxi qui vous a ramené. Je vais téléphoner à la préfecture. Mais non, il est trop tard ce soir. Nous ne pouvons rien faire avant demain. Et demain, nous commençons à tourner. La voiture sera-t-elle réparée au moins? Oh, non, madame, le radiateur est embouti et l'essieu est faussé. Il y en a au moins pour 8 jours. Charmant. C'est bon. Comment voulez-vous que je me rende au studio? En patinet? Mais je vous accompagnerai, cher ami. Mais c'est ça, en tandem. Et vous restez là comme un empoté. Ce n'est tout de même pas moi qui ai démoli votre voiture et perdu cet argent. Non, mais vous vous chargez d'en perdre bien d'autres. Je ne saisis pas l'allusion. Si au lieu de passer votre après-midi au cercle, vous aviez été vous-même à la banque, la perte sans doute était moindre. Je ne comprends pas. Moi, je me comprends. Vous êtes aussi capable que moi d'égarer 10 000 francs. Mais au baccarat, vous avez probablement perdu bien davantage. Vous n'êtes bon à rien. Je me demande pourquoi je vous ai épousé. La comtesse Tabesco vaut bien, mademoiselle Margot Montagne. Vous êtes un mufle. Et vous, la plus charmante des créatures. Pensez donc, je vous prie. Nous ne planons plus dans l'azur. Nous sommes retombés sur la terre. Nous sommes des rampants, quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux? Faut se faire une raison. Quel dommage qu'on ait raté Paris Tokyo, tiens. La fortune nous tombait du ciel. On volait à sa rencontre. Bon, ça a tout de même été une belle performance. On en a parlé dans l'Anderneau. On a eu notre photo dans les journaux. Ah oui, tu te rappelles, hein, en première page. Et puis nos noms en grand fromage, là. Saint-Grisant les panards. La gloire, quoi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui. Eh bien, pour ce que ça rapporte, la gloire, aujourd'hui, tiens, on n'a même pas de quoi s'acheter un nouveau taco. 10 000, tu n'es qu'un homme d'argent, tu me dégoûtes. Mais cause toujours, va. N'empêche que si on avait réussi notre raid... À propos de raid, n'oubliez pas, second maître Mimille, que vous en avez un beau à accomplir cette nuit. Objectif, les grands boulevards, la Madeleine, la Concorde, les Champs-Élysées. Vous montez jusqu'à l'étoile. L'étoile, tu vois bien qu'il n'y a rien de changé, imbécile. J'attends de me mettre en tenue, lieutenant. En fait, bombe, vous chargerez à prix d'or les noctambules qui l'auront fait toute la nuit. Et quand l'aube aux doigts de rose viendra vous baiser au front sur votre siège, alors seulement, heureux et fier d'avoir noblement accompli votre mission, vous ramènerez votre glorieux taxi dans nos lignes, c'est-à-dire au garage. À vos ordres, lieutenant. Allez. Hé, dis donc, n'oublie pas de ramener de l'oseille, c'est de mal terme. Un peu ce que je viens de ramasser dans le taco.
Un portefeuille? Oh, puis avec un matelas, mon vieux, j'en ai eu la berlue. J'ai trop de tapis, j'ai pas pu les compter tous. Oh, dis donc, attends. 10 000! 10 000! Oh, c'est vrai, j'ai jamais vu 10 000 balles. Oh, mon petit pote de lieutenant, mais c'est comme si qu'on avait gagné le gros lot. On va pouvoir remplacer Philomène. Oh, t'es pas fou, il appartient sûrement à la dernière cliente que j'ai chargée. Je me rappelle l'adresse. Allez, passe-moi mon paletot. Non, mais tu vas aller lui refiler? Bah, tu penses pas que je m'en vais m'approprier cet argent? Oui, gros, évidemment, ça serait pas honnête. Mais tu devrais attendre demain matin, moi qui vas me faire louper des coups. Mais non, j'en ai pour une demi-heure aller-retour à peine. Et puis tu sais que ça vaut un bon pourboire. Et puis tel que je te connais, toi, tu ne sauras pas y faire. Tu devrais me laisser y aller. Non, je préfère y aller moi-même. Ah oui. Elle te plaît, la cliente? Mais dis donc, mais je ne regarde jamais mes clientes, c'est un principe chez moi. Tu dis? Rien, coche tous. En tout cas, pousse ta romance en vitesse, moi je vais me faire vieux. Oui, bah tiens, lis ça en m'attendant. C'est ça quoi? Variété de Paul Valéry. Valéry? Ah oui, c'est le mec qui écrit sur les murs. Idiot, hein? L'infaillibilité dans la prévision et le seul caractère auquel l'homme moderne reconnaisse une valeur non conventionnelle. Oh. Faut dire caf pour dire des trucs comme ça. Je regrette, mais madame et monsieur d'Intenville, je remettrai le porte-carte. C'est que je préfère le remettre moi-même. Soyez tranquille, vous ne perdrez rien. Vous n'avez qu'à laisser votre adresse. Madame vous fera parvenir votre récompense. Ah non, mais c'est pas pour ça. Mais j'aime mieux revenir demain matin. Demain matin, madame ne sera pas là. Elle tourne au studio de Joinville. Ah non. Ah non, c'est impossible. J'ai une tête à faire frémir ce matin. Oh, comment c'est un film dans des conditions pareilles. Mon nez est gonflé. Et Cécile. Mais je suis là, madame. Mais non, je dis Cécile. Mais Cécile ne colle pas. Comment voulez-vous jouer une scène d'émotion avec Cécile qui vous chatouille? Mais je vais les replacer, madame. Non, je sens que je ne serai jamais prête. Mais vous n'êtes jamais prête. Oh, vous, ce n'est pas le moment de m'asticoter. Entrez. C'est moi. Vous venez me chercher? Eh bien, on m'attendra. Non, madame, au contraire, je viens vous dire de ne pas vous presser parce que les décors ont un peu de retard. Naturellement. On m'aura encore fait venir à 9h, vous me faire tourner à midi. Franchement, on aurait pu me laisser dormir, surtout après la soirée d'hier. Une soirée mortelle, éreintante, et qui m'a coûté 10 000 francs par-dessus le marché. Madame, il y a là un chauffeur de taxi qui demande à vous parler. Un chauffeur de taxi? Oui. Mais alors, il me rapporte mon porte-carte? Ah, je ne sais pas. Vladimir, allez voir. Et s'il y a le compte, donnez-lui un bon pourboire, ça vaudra bien ça. Quant à vous, Craqui, allez dire à M. Dornac que si je ne tourne pas dans une demi-heure, je retourne me coucher. Bien, voilà, c'est ça. Vous apportez le porte-carte? Oui, justement, un porte-carte de dame. Et comme on m'a dit que la personne que j'ai conduite hier, Madame Fontaine, était au studio, je... Vous êtes venu. C'est très bien, mon garçon. Donnez. Ah, c'est que j'aurais voulu le remettre à Madame Fontaine personnellement. Personnellement? Mais vous plaisantez, mon garçon, c'est impossible. Ah, pourquoi donc? Mais parce que Madame Fontaine ne reçoit pas n'importe qui. De plus, elle se prépare pour tourner. On ne peut pas la déranger comme ça. Je regrette. Alors, dans ce cas, je déposerai l'objet à la préfecture. Mais c'est insensé. Dois-je me retirer? Attendez une minute. Comment voulez-vous que je prononce? Et nous chercherons une chaumière où ce sera charmant en chantant de chacher des chimères. Ce n'est pas du français, c'est de l'auvergnat. Mais pourtant, je pensais que c'était très original. C'était très original. Ah, évidemment, vous étiez tout désigné pour vous occuper du texte français. Allez me réécrire cela en langage. Ok, pas me. Alors, il veut vous voir personnellement. Moi? En chair et en os. Oh, j'ai horreur de cette expression. Il prétend le remettre le porte-carte comme un propre. Il a trouvé que les vôtres n'étaient pas assez nettes. Toujours aimable. Alors, je le renvoie. Vous en avez de bonnes, et mon argent. Si ce voyou a voulu s'offrir ma physionomie au naturel, il va être servi. Vous vouliez me contempler de près. Voilà. Mais je suis pressée. Venez vite, je vous prie. Je suis aussi pressé que vous, madame. Cependant, je suis venu jusqu'à Joinville et en ce moment, je perds des courses. On vous indemnisera. Pardon. Et combien contient ce ravissant petit Marocain? Mais 10 000 francs. Vous le savez sans doute aussi bien que moi. Et puis? Et puis quoi? C'est tout ce qu'il contient. Mais vous ne savez peut-être pas à qui vous parlez. Comment? Vous avez l'audace de rire? Excusez-moi, mais vous êtes si drôle. Comment je suis drôle? Mais vous êtes insolent. Ne vous fâchez pas, madame, mais c'est plus fort que moi. Voilà assez. Je ne suis pas là pour donner la comédie à un individu comme vous. L'individu, madame, se montre plein de mansuétude. Il rend l'argent sans plus de formalité, car il vient seulement de reconnaître votre véritable identité. Vous êtes bien bon.
Oui, alors vous pouvez vérifier, le compte y est. Je vous rends la monnaie de votre pièce. Quelle pièce? Quand la confiance ne règne pas. Nous sommes à jeu. Attendez. Avec le retour, ça fait exactement 48 francs 50, mais je ne peux pas vous rendre. Gardez le tout. Je vous remercie, madame, mais je ne puis accepter. Faites pourtant métier de recevoir des pourboires. C'est vrai, mais en l'occurrence, ça me gênerait d'accepter une gratification pour un geste aussi simple et, en somme, tout naturel. Oh, vous êtes fier. Non, 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 ce n'est pas de la fierté. De l'orgueil, alors? Non plus. Du respect humain, tout simplement. Vous m'épatez. Vous aussi? Hein? Ben oui, n'est-ce pas? Tout ce gras que vous avez sur la figure, ce blanc, ce jaune, ce rouge, ce vert, et puis ces cils artificiels, c'est vraiment très curieux. Vous n'aviez jamais vu une artiste de près? J'ai autrefois fréquenté les coulisses de théâtre, mais c'est la première fois que je mets les pieds dans un studio. Dix heures et demie et pas un plan de tournée. Gratis. 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 Voilà. Attends, mon assistant. Voilà, voilà. Ah, vous voilà, vous. Et madame Fontaine, est-ce qu'elle daignera venir un jour qu'on est avec nous, oui? Monsieur, vous venez de m'envoyer lui dire, je ne pas se presser. Mais allez lui dire qu'elle se presse, au contraire. Après la scène de la voiture, c'est à elle. Alors qu'elle vienne tout de suite, immédiatement. Ah ben, les autres sont bien là, moi je suis bien ici, moi. Allez lui dire ça de ma part, hein, qu'elle vienne tout de suite. Non, monsieur. Puisque vous refusez les pourboires, vous accepterez bien cette photo dédicacée par moi. Merci, madame. Ah, oh, elle est très belle. Elle ne vous ressemble pas beaucoup, mais elle est très belle. Je la donnerai à un de mes amis qui a déjà une très jolie collection. Comment? Vous ne voulez pas de ma photo? Savez-vous que généralement, c'est moi qui me fais prier pour les donner? Excusez-moi, mais je vais si peu au cinéma, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez? Vous êtes un curieux homme. En fait, qu'est-ce que vous êtes? Je veux bien vous le dire, mais que tout ceci reste strictement entre nous. Voilà, je suis chauffeur de taxi. Entrez! C'est moi. Madame, monsieur Dornac vous prie de descendre tout de suite sur le plateau. Je suis occupée. Mais madame, mais tout est prêt, monsieur Dornac est déjà furieux. Pas possible. Oui. Eh bien, je ne suis pas prête, moi. Je l'ai bien attendu jusqu'à maintenant, moi. Et s'il est furieux, lui qui vient de me le dire. Bien, madame, c'est ça. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Vous ne me dérangez pas, je vais finir mon maquillage. Vous pouvez venir. Et voilà le laboratoire. Alors ça... Je n'aurais jamais pensé qu'il faille se mettre tant de choses sur la figure. Et encore, moi je me maquille à peine. Vous faites beaucoup de films? 3 ou 4 par an. Mais je croyais que le cinéma vous laissait indifférent. Il paraît qu'on gagne gros dans ce métier-là. Hein? Souvent moins qu'on ne dit. Et puis vous savez, l'argent c'est le côté brillant. Mais nous avons des minutes assez dures. Ça, je troquerais bien mes minutes contre les vôtres. Vous êtes donc malheureux? Non, mais j'aimerais connaître la fortune. Vous n'avez jamais rencontré? Si, mais elle portait perruque et tous ses cheveux me sont restés dans la main. Cigarette? Merci. Vous ne craignez pas pour votre voix? Vous avez toujours fait ce métier-là? Oh, j'en ai fait d'autres. Exemple? La guerre. C'est pas un métier. Vous avez raison, c'est une obligation. C'est tout? Après, j'ai raté un tas de choses. C'est à vous cette couronne de pont. Bouge pas, bouge pas! Encore un peu. Allons? Allez! Allez-y! Allez! Oh, c'est à se taper la tête contre une cathédrale, mais voilà 20 fois que je recommence cette scène! Le type que vous m'avez engagé ne sait pas conduire. Pardon, monsieur Dornac. Quoi, monsieur Dornac? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Dornac? Il perd son temps, monsieur Dornac. Et la lumière brûle, il en va jeter la pellicule. Enfin, oui ou non, vous avez demandé un chauffeur. Vous m'avez demandé un chauffeur parlant. Oh, admirable. Est-ce que les chauffeurs qui savent conduire sont muets? Ah, je ne pense pas. Alors, puisqu'on fait du cinéma parlant, il est logique, il est nécessaire que mon chauffeur sache parler. Oui. Mais ça n'implique nullement qu'il sache pas conduire. Ah non. Vous voulez pas me dire votre nom? À quoi bon? Ça pourrait peut-être vous être utile. Oh, je ne crois pas. Dites toujours. Si vous y tenez, Alexis. Ah, vous êtes russe? Même pas. Pourtant, Alexis. Coïncidence. Ça rime avec taxi. Coïncidence aussi. Alexis quoi? Alexis tout court, on ne m'appelle que comme ça. Vous avez supprimé le reste et cependant, le compte y est. Très joli. Alexis. On dirait d'un nom de guerre. Un nom d'après-guerre. Une confidence en vaut une autre, je ne m'appelle pas en réalité Margot Fontaine. Décidément, nous sommes en plein mystère. Mes hommages, madame Fontaine. Au revoir, monsieur Alexis. Jérémy Dornagout. Mais qu'est-ce que...
Le comte Tabesco, mon mari. Le comte Alexis. Hein? Quoi, hein? Vous avez toujours l'air de tomber de la planète Mars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va mal, ça va très mal. On a déjà tourné la scène de la voiture 17 fois sans résultat. Alors Dornac voudrait vous voir. Il prétend que votre présence arrangera tout. C'est bien, je m'habille, je viens. Au revoir, merci de vous être dérangé. J'espère vous rencontrer bientôt. À la prochaine station, c'est très possible. Voulez-vous indiquer le chemin à monsieur? Et montrez-lui le studio où nous tournons, si ça l'intéresse. Ah, ça j'avoue que je serais curieux, enfin si ça n'est pas indiscret. Attendez. Je vous demanderai seulement de ne pas faire de bruit, parce que M. Dornac, le metteur en scène, ne peut travailler que dans le calme, le recueillement et le silence. Bon, bon, bon. Alors, hein? Il manquait plus que ça. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Voulez-vous me permettre? Voilà. Il fallait mettre le contact. Vous savez, il vaut toujours mieux mettre le contact. Elle marche! C'est un arc, elle marche! C'est pas trop tôt. Allons, cette fois sera la bonne. Lumière! Lumière! Moteur! Alors un peu de silence, s'il vous plaît. Mission spéciale, 136, 18e fois. Alors, je vous fais signe, hein. Allez. Allez! Allez-vous-en, vous m'entendez? Allez-vous-en! Je ne veux plus voir! Assez, taisez-vous, je ne veux plus vous voir! Foutez-moi le camp, je couperai la tête! Oh. Oh non, 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 non! C'est impossible de travailler dans des conditions pareilles! D'abord, qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Qu'est-ce qu'ils foutent tous ces gens-là? Tracy, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils n'ont rien à faire naturellement, ils m'empêchent de travailler! Hein? Hein? Y a que vous qui travaillez ici, d'ailleurs tout le monde s'en fout, hein? Et Madame Fontaine? Est-ce qu'elle sera prête un jour, Madame Fontaine? Elle s'en fout elle aussi! Elle s'en fout, naturellement, tout le monde s'en fout! Je suis tout seul, c'est bien ça, tout seul! Vous m'appelez, cher ami? Oh, cher grand ami, comment vous étiez là et on ne me le disait pas? Oh, excusez-moi, comment vous êtes toute seule sur cette petite chaise abandonnée? Oh, oh, craqui, craqui, voyons! Le fauteuil de Madame Fontaine! Oh, excusez-moi, pardon. Eh bien, le poussin, Madame Fontaine, voyons, 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 voyons! Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Il paraît que c'est ma faute. Oh, cher bon ami, comment pouvez-vous penser? Mais non, mais non, non, mais comprenez-moi, j'ai passé des nuits, moi, à créer, à imaginer, à combiner ce travelling. Vous avez vu le résultat? 18 prises de vue, pas une de bonne! Non, bah, qu'est-ce que nous allons y venir? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument remplacer l'acteur qui joue le rôle du fauteur. Et qu'elle perde de temps. C'est au moins 4 scènes à recommencer. Nous sommes déjà en retard sur le plan du travail. C'est tout de même formidable de trouver personne pour un si petit rôle. Tracy, téléphonez au bureau et demandez à Lautner le nom de l'acteur qui a joué dans Jalouse. Allez, vite.
le crétin qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon maquillage est fichu. Il va falloir tout refaire. Ah, ça y est, ça y est. Alors encore 2 heures à attendre. Ça, c'est le bouquet. Oh, ma robe. Je connaissais l'abruti qui a fait ça. Oh, j'ai de la poussière plein les yeux. Mais ils sont ravagés. Oui, et ils coûtent 120 francs la paire. Gratis, gratis. Oh. Sortir du studio avec mon pied au derrière, moi. Oui, et moi, je le bâtonnerai. Oui, c'est ça. Oui, des coups de pente, on va laisser ça mérite. Ou alors des coupures derrière, mais alors, en pagaille. Ça... La balance, une tornade. Encore là, vous? Oui, je m'en allais, mais je ne trouvais pas la sortie. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez du chagrin? C'est une scène d'émotion que vous tournez? Mais non, il y a un idiot qui a fait tomber un pan de décor. Tout mon maquillage est à refaire. Ah, c'est gay. Si je tenais le gredin... Ah oui, quel est l'abruti? L'animal, la brute épaisse. Qu'est-ce qu'il fait une fois à son coup fait, pardon? Vous pensez bien qu'il n'allait pas s'en vanter. Oh, sentez-moi ça, ma petite, c'est du soleil en botte. Combien? 10 francs la douzaine. C'est cher. Oh, cher. Mais c'est même pas le prix du papier pour les envelopper. Rien n'est trop cher pour vous, mademoiselle Rose. Bien. Bonjour, Émile. Bonjour, jolie voisine. Vous faites votre marché? Non, je fais mon terci. Bon été fait, mademoiselle Rose. Ça me fait plaisir de vous les offrir. Oh, vous êtes trop aimable, Émile. Rose à la rose. Ah, on connaît ces classiques, hein. Elle sent fraîche comme la rosée. Moins fraîche que la rose que je rencontre tous les matins sur mon palier. Taisez-vous, Jamie. Vous allez me faire rougir. Pensez-vous, cher grand et gentil ami, il faut absolument que vous convainquiez, monsieur. Mais il sera donc très bien dans le rôle de chauffeur. Au moins, il sera naturel. Il sera vrai. Bon, je changerai le scénario. C'est enfantin. Je remplacerai la Rolls par un taxi. Ça sera beaucoup mieux, d'ailleurs. Ce sera plus populaire pour les salles de quartier. Alors, vous voulez faire du cinéma? Moi? Mais je viens justement de vous dire que le cinéma ne m'intéressait en rien. D'ailleurs, ce que je viens d'en voir m'a suffi. Oh non, décidément, je ne me sens aucune vocation. Non. Vous êtes certainement très photogénique. Mais oui. On vous donnera un contrat. Encore un contrat? Mais oui, pour la durée du film. 5000 francs. Ça va? Vous êtes folle, 5000 francs? Mais c'est un tout petit rôle. Taisez-vous. Alors? Je ne puis accepter. Mais pourquoi? Mais j'ai des courses à faire. Vous vous y retrouverez largement. Alors, 10 000. 10 000? Ah! C'est un gag. Un quoi? Un gag. Une plaisanterie. Non, 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 c'est à prendre ou à laisser. Pourquoi faites-vous des grimaces? C'est ce projecteur qui m'aveugle. Oh, vous vous habituerez. Alors, vous avez bien compris? Nous y sommes? Oui, oui. Bon. Prêt à tourner? Oui, oui. Alors, allons-y. Silence! Lumière! Moteur! Ça tourne! Mission spéciale, 136, 19e port. Allez-y! Coupé! Ouf, ça y est! Coupé! C'est parfait, monsieur, c'est parfait, c'est très bien, vous avez beaucoup de talent. Et maintenant, premier plan pour les dialogues, allez, hop! Merci. Dedans, est-ce que vous allez me mettre aussi des fossiles? Oh non, pas vous. Alors voilà la scène. Le général descend de voiture et tout en ayant l'air de vous payer, il vous dit confidentiellement à minuit au ministère. Pendant ce temps-là, vous faites semblant d'arranger quelque chose au moteur et vous lui répondez en catimini. En catimini? Mais non, mais non. Vous parlez au général en catimini pour qu'on ne vous entende pas. Ah, bon, je croyais qu'il s'agissait d'un mot de passe. Mais non, mais non, entre cuir et chair, si vous préférez. D'accord, alors voilà, là, alors vous lui dites sans avoir l'air de rien, il me faudra la photographie du fort. Sans avoir l'air de rien, il me faudra la photographie du fort. Ah non, 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 je ne dis pas sans avoir l'air de rien, c'est une indication que je vous donne. Vous dites simplement, il me faudra la photographie du fort.
Ah bon, entendu. Bon, vous avez compris. Oui, bon, oui. Pas besoin de répéter pour deux phrases. Bon, hein. Non. On a assez perdu de temps comme ça. Alors on y va, hein. Tout est prêt. Bon, allons-y. Il me faudra la photographie du fort. Il me faudra la photographie du fort. Moteur. Il me faudra la photographie du fort. Silence, on tourne. Il me faudra la photographie. Plaquette. Mission spéciale, 137, première fois. Allez-y. À minuit, au ministère. Il me faudra la photographe du corps, du nord, du mort. La photographie du fjord. Coupez ! Coupez ! Oh, cette scène est maudite. Oh. C'est bon pour le son. Ah, ça, c'est le coup de grâce. Oh, oui. Oh non, je ne lutte plus, moi, je renonce. Il va falloir que je change une fois de plus ce scénario. Encore ? Ben, on pourrait peut-être essayer de recommencer. Oui, peut-être, mais pas maintenant. Moi, j'en ai plus la force. Quelle heure est-il ? Midi 10. Envoyez tout le monde déjeuner. Ah. Et faites-lui répéter son texte 10 fois de suite, 20 fois s'il le faut. Quant à moi, je n'en puis plus. Oh, je m'en suis épuisé. C'est tout de même drôle qu'il soit pas rentré. Mais il revient déjeuner tous les jours ? À moins qu'il soit allé faire des courses en banlieue. Ce matin, il s'est déjà tapé Joinville pour apporter le fric à une cinglée qu'il avait laissée dans la voiture. Il est très chic, votre associé, mais hein? C'est drôle, par moments, il m'intrigue. Hein ? On dirait pas... On dirait pas quoi ? Je voudrais pas vous vexer, monsieur Émile, mais quand on vous voit tous les deux, ça paraît bizarre. Ah ? Je sais pas, il a une manière d'être, une manière de s'exprimer. Enfin, on dirait pas que lui et vous... On dirait pas que lui et moi, on est du même tableau de bord. Eh ben, je vais vous expliquer, mademoiselle Rose. Pas lui et moi, on est du même bateau. Mais on n'est pas de la même extraction. Ah? Oui, cherchez pas à comprendre, allez. À la bonne vôtre. Dites-le si vous voulez, pour me dédicacer une photographe. Eh, fichez, dis donc, la paix. Vous n'avez jamais bafouillé, vous autres? Nous, jamais, pour la bonne raison qu'on joue qu'avec nos jambes. Ça ne vous empêche pas d'avoir de mauvaises langues. Mais il ne faut pas vous frapper, mon petit. Vous manquez de métier, voilà tout. Vous n'avez pas assez d'école, mais ça viendra. Tenez, moi, j'étais 35 ans à la Porte Saint-Martin. Chalvaux, vous avez sûrement entendu parler. Ah, oui, certainement. Eh bien, je peux me vanter de l'avoir jamais bafouillé. Seulement, jamais de salade, jamais de noix et surtout jamais d'alcool. Qu'est-ce que vous prenez? Un piquant citron. Alors, encore un peu de château neuf. Ah oui, bon, je veux bien, ça me remontera. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce type que vous m'avez fait engager? Mais c'est réellement un chauffeur de taxi? Authentique? Mais il n'est pas possible. Il a l'air d'un homme du monde. Il bafouille comme un sociétaire de la Comédie Française. Alors s'il faut le remplacer. Mais vous lui avez signé un contrat. Mais cher ami, mais c'est vous qui avez eu cette idée de génie. S'y mettra, seulement l'auteur a accumulé les difficultés. C'est pas du texte, c'est un concours d'articulation. J'ai une idée. Alors bon, ça va encore coûter plus cher. Je change le scénario. Ça fait 3 fois depuis ce matin. Écoutez-moi bien. Je remplace le taxi par un avion. De simple chauffeur, notre homme devient aviateur. Aviateur militaire, bien entendu. Il va prendre un poids, ça l'empêchera de bafouiller. Vous pourriez peut-être en faire un bec. Un aviateur bec, c'est original. Et puis, ça ne s'est jamais fait. Joséphine. Tu connais ma femme? Oh, je peux pas l'appeler Marie-Louise, elle s'appelle Joséphine. Alors. Joséphine! Oh, mon petit, voyons, mon bifteck, là, c'était dur comme mon cheval. Oh, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vas-y, fasse, toi. Oh, je préférerais la poule au pot, toi. Hein. Comment vas-tu, Majesté? Ah, bonjour, vieux. Il gronde le poutin, il doit avoir mal à l'estomac. Moi? Je me porte comme le bon neuf. T'as la sienne, alors. À la sienne. Dis donc, tire, passe-moi dans le menu. Ah, voilà, mon général. Souviens-toi que du haut de cette pyramide de soutas, 40 verres te contentent, parce que je vais te les faire aux anges. Ah, tu sais bien que je ne joue jamais. Oh, le menteur. Pendant 35 ans, t'as joué à la Porte Saint-Martin, alors. Voilà. Le Bouchillon, le plus beau des gigolos, le premier des jeunes premiers, neuf à mille méchants voyés. Yes, monsieur. Silvio Lamunella. Oui, paraît qu'il est très commercial en ce moment.
commercial. Oui, enfin, ces films se vendent bien. Enfin, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Il n'a aucun talent, il parle faux, tu... Je ne sais pas, tu vas vivre dans tes bras. Ah, de mon temps. Enfin, moi, ils commencent à me taper sur le système, leur Silvio, tu sais. Tu as fini de ramener ta fraise. Hein? Oh. Tiens, pas encore un peu de navet, hein. Ah non, non, merci. Le cinéma m'en a dégoûté pour la fin de mes jours. C'est le jeune premier titré de Marco Ponta, le chouchou. Ça va? Seulement, je crois que vous vous êtes trompé. La croix de guerre se place en second. Oh, dites donc, je connais mon métier, hein? Je n'en doute pas. Mais c'est que j'ai été... Vous avez été quoi? Rien. Mais attention, voyons! Bon, alors encore une répétition, et on tourne, hein? Bon, alors allez-y, silence! Doucement, doucement. Mais oui, oui. Tes yeux sont comme des étoiles. Ma lèvre est sur ta lèvre. Et ton rire jaillit telle une crécelle. Quoi? Non, telle une étincelle. Pardon, pardon, sur mon manuscrit, il y a crécelle. C'est une erreur. Dites telle une étincelle. Bon, allez, allons-y. Tes yeux sont comme des étoiles. Ma lèvre est sur ta lèvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne peux pas enregistrer ça. On entend tes yeux sont comme des poils et ta lèvre est sur ma lèvre. Pourtant, j'articule. Enfin, vous n'avez donc jamais tenu une femme dans vos bras? Si. Ma mère. Monsieur Dornac, monsieur Alexis est prêt. Faites voir. Tournez-vous. Ça vous va mieux que votre paletot de chauffeur. On dirait que vous avez porté ça toute votre vie. Ah, par exemple, vous ne savez pas mettre les décorations. La croix de guerre, ça se met en second. Craqui, mon petit. Arrangez ça, voulez-vous? Mettez ça en ordre. Ah, et maintenant, répétons. 9h30. Jamais il est rentré si tard. Je commence à être inquiet, moi. Mais ne vous en faites donc pas pour lui. Il aurait été retenu. Ou alors il aurait été boire un verre avec les copains. Oh non, ça, c'est pas dans ses habitudes, ça. Vous m'amusez. Vous êtes comme une mère poule à qui on aurait volé son poussin. Vous l'aimez tant que ça? Vous aussi, mademoiselle Rose, je vous aime bien. N'empêche que depuis une heure, vous ne vous êtes guère occupé de moi. Vous ne parlez que de lui. Oh, soyez pas jalouse, allez. Lui, mais c'est comme qui dirait mon frangin. Tandis que vous. Et moi, je ne suis votre voisine, non? Non, taquinez pas, vous savez très bien ce que je pense de vous, hein? Encore un peu de café. Non, merci. Ça m'empêcherait de dormir et demain matin, faut que je me lève tôt. Ah. Je vais vous dire bonsoir. Mettez les cales. Essence. Contact. Lieutenant. Lieutenant, taxi est prêt à décoller. Tournons. Alors debout là-dedans, espèce de cossard, nous partons en reconnaissance. Non mais, est-ce que je suis cinglé ou est-ce que je rêve? Rêve ou réalité, peu importe. Moi j'y crus rêver toute la journée. Ma tête. Le taxi est devant le hangar. Émile, il faut partir. Bien, lieutenant. Dix mille balles. Mais en quelle année sommes-nous donc? Nous sommes à cheval sur 1918 et 1938. Quand on rêve, 20 ans passent en une seconde. À cheval. Pincez-moi, lieutenant. T'es bien réveillé, imbécile. Allez, donne-moi quelque chose à bouffer, je crève de faim. Cet uniforme. Il est faux. Ces billets. Ils sont vrais. Ça y est, je suis dingo. Assieds-toi. T'as donc pas rendu les 10 000 balles? Mais cet argent m'appartient. Quoi? Les rêves deviennent parfois des réalités. On va pouvoir remplacer Philomène. Sans blague. Oui. Tu aimes les contes de fées? Ah, moi, je préfère plutôt les romans d'aventure. Mais pourquoi tu me demandes ça? Bon, eh ben, si tu aimes l'aventure, tu vas être servi. Je vais t'en raconter une bien bonne.
Yes, superbe cotier dans la rangée du haut, vous avez la facilité d'échanger contre un superbe lapin vivant ou un pot de chambre avec un œil dedans. Oh, tu vas pas foutre lapin. Oh, dis, tu vas nous ruiner en réveil matin, toi. C'est le quatrième que tu homologues depuis ce mois-ci. Oh. Dis donc, t'as pris de l'avancement dans ton nouveau poste, toi. Oh. Hé eh? Oh, dis, dis bien ce matin. Attrape-toi. Pousse, pousse. Hé, c'est pas parce que t'es millionnaire qu'il faut plus en foutre une date, maintenant. Allez, hop, au jus là-dedans, hein. Eh ben, tâche de le faire bon, sans ça, je te colle 4 jours de chambre. Viens, moi, j'ai vite. Dis donc. T'as rempli les pour longtemps? Oh, ben tu sais, au cinéma, on sait bien quand ça commence, mais on sait jamais quand c'est fini. Hein. C'est loin, je vois vivre. Tu vas te taper ça tous les jours? Ben j'emmènerai Philomène pour me tenir compagnie. Pauvre Philomène, elle va se raser à la porte du studio toute la journée. Oh, ça la reposera. Elle est tellement roulée, la pauvre vieille. Dis donc, si on la met à la retraite pour tout de bon, à quoi t'as pensé pour la remplacer? À une Rolls, une Packard, une Hispano Suiza ou quoi? Ah! Je ne sais pas ce qui me retient de vous tirer les oreilles. Ne faites donc pas le malin. Quand on fait le métier que vous faites, on a la pudeur de se taire. L'uniforme que je porte répond pour moi. Vous le déshonorez, monsieur. Prenez garde, monsieur. Hein? Oh, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lio, mon petit plus d'énergie. Quand vous lui dites vous le déshonorez, mais je veux qu'un frisson passe dans la salle, moi. Mais c'est monsieur qui ne m'a pas donné la réplique exacte. Je ne peux pas jouer avec des amateurs, moi. On n'est pas plus aimable. Vous auriez pourtant besoin d'indulgence vous-même. Ah, monsieur, je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Bravo! Vous y êtes. C'est exactement le ton que je fais pour la scène. Ah bon? Allez, recommençons. Je ne sais pas ce qui me retient de vous tirer les oreilles. Faites donc pas le malin. Attendez. Vous êtes très en progrès. Ça n'est pas l'avis de monsieur Silvio. Bon, avouez que vous n'êtes pas très aimable avec lui. Il est vrai qu'il me tape un peu sur les nerfs. Ce n'est pas une raison pour être désagréable avec moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Beaucoup de bien. Je sais que je suis votre obligé. C'est ça qui vous agace. Vous n'aimez pas être l'obligé de quelqu'un. Ben, qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours été très indépendant. Il y a des moments où j'ai envie de vous battre. Eh ben, vous gênez pas pour moi. C'est très bien, mon enfant, c'est très bien. Non, parce que je vous ai répété à cette petite la fameuse scène 304. Je ne sais pas si ça sera bon pour le son, mais pour l'image, c'est déjà lumineux. Oh, madame, je vous assure vraiment que... En effet, vous ne manquez ni d'assurance ni de toupet. Vous arriverez certainement. Voyons, ma chère amie, vous n'allez pas supposer que Lisiane et moi, nous... Oh. Je n'imagine pas, je constate. Vous avez du rouge aux lèvres, essuyez-vous, vous êtes grotteux. Pouvez-vous retirer, mon enfant? Oui, je crois que ça vaudra mieux. Quel idiot! Je lui avais pourtant bien dit de fermer la porte à clé. Ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est que chacun s'y adonne corps et âme. Moquez-vous de moi, vous aussi! Je ne me laisserai pas bafouer, ridiculiser! Je leur jetterai mon mépris à la figure! Mais... Voyou! Bouja! Oh, qu'est-ce que Bouja! C'est? Je mépris de Madame Fontane. Quelle petite blonde vie très douce, laissez-moi vous expliquer. Oh, vous me le paierez cher. Mais c'est déjà fait, vous m'avez autrefois qu'à ruiner. Oh, Bouja! Oh, le vase dont je vous ai fait cadeau pour votre fête. Oh, dans ma propre loge, avec une figurante. Voyons, chérie, il ne faut pas être jalouse. Jalouse, moi? Mais je ne suis pas jalouse d'un polichinelle comme vous. On est jaloux de ce que l'on est, mais je ne vous aime pas, vous entendez? Je ne vous ai jamais aimé. Alors pourquoi m'avez-vous épousé? Ah, c'est ce que je me demande tous les jours. Alors, allons, je vous ferai un joli cadeau. C'est un autre vase que vous aurez gagné à une tombola. Et puis allez fumer votre cigare ailleurs. Si vous n'aimez pas l'odeur de mes cigares... Oh, ni l'odeur de vos cigares, ni la vôtre. Vous êtes puant, vous entendez? Puant. Allez-vous-en, que je respire un peu d'air pur. L'air pur qu'on respire dans les hautes sphères avec les aviateurs. Que voulez-vous dire? Vous avez bu? Je ne bois jamais, enfin, dans le travail. Et pourquoi moi aussi, j'y vois clair? Oh, oh, c'est ignoble ce que vous dites là. Vous essayez de diminuer ce que votre conduite, à mon égard, à vos yeux, en me prêtant des sentiments que je n'ai pas. Mais il n'est pas question de sentiments. Non, laissez-moi, non, laissez-moi, je vous assure, je sens que je vais faire un malheur. Et avec quoi, il n'y a plus rien à cacher? Ah, c'est votre sale gueule de métèque, de rassacouère. Oh,
On a rien, grand-père était tête de camp de Sa Majesté Alexandre. Madame. Pardon si je suis indiscret, mais on m'a chargé d'une commission pour vous. D'où sortez-vous? D'un nuage. Ça me rajeunit. Vous venez encore vous payer ma tête? Oh, je n'en aurai pas les moyens. Quoi qu'en ce moment, vous n'êtes guère à votre avantage. Eh bien, et vous, regardez-vous. Si vous croyez que vous n'êtes pas comique. Oui, je vais pouvoir m'essayer dans la pantomime. N'est-ce pas drôle? Vous manquez de suite dans les idées. On m'envoie seulement vous dire que vous êtes attendu sur le plateau. Je ne tournerai plus aujourd'hui. On renvoie tout le monde. Et puis je ne veux voir personne, vous entendez? Personne. Et vous, moins de tout. Bon, bon, je vous laisse comme il vous plaira. Votre mari m'a prié de vous dire qu'il rentrait. Ou qu'il allait au diable. Vous n'auriez pas une brosse par hasard? Oh, allez-vous-en. 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 Parce que je vais piquer une attaque de nerf. Bien, 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 bien. Je m'en vais. Je m'en vais. Madame a bien dormi? Pas assez. Personne ne s'est présenté pour remplacer Firmin? Non, madame. Mais comment allons-nous faire pour le dîner de ce soir? Il faudra téléphoner au bureau de placement, qu'ils envoient un extra. C'est ce que je vais faire. Mon Dieu, quel ennui. En revanche, il y a en bas un chauffeur. Un chauffeur? C'est pas Jean? Non, madame. Mais c'est bizarre. Monsieur est-il réveillé? Monsieur a prié qu'on ne le dérange pas. Ah. Mais comment est-il, ce chauffeur? Très comme il faut, brun, avec une petite moustache. Priez-le de m'attendre. Bien, madame. Je me doutais que c'était vous. J'ai pensé que nous aurions à faire la même route et que vous accepteriez peut-être d'emprunter ma voiture. C'est très gentil d'y avoir songé. Oh, je vous dois bien ça, après toutes les largesses dont vous m'avez comblé. Hmm. Vous êtes un homme curieux. Oh, pas curieux, bonjour. La curiosité est un vilain défaut. Et vous, vous êtes un homme de qualité. Décidément, on ne peut rien vous cacher. Si madame veut bien venir voir la table. Oui, oui, je viens. Vous n'êtes pas trop. Merci. Ah, vous avez du monde pour le café au lait? Vous êtes bête. Nous donnons un grand dîner ce soir. Comme je tourne toute la journée, je prépare ma table avant de partir. Parfaitement. Alors, vous m'engagez? Savez-vous servir à table? Pourquoi cette question? On va aller chambre partir et nous n'avons personne pour ce soir. Non, écoutez, je veux bien à la rigueur remplacer votre chauffeur, mais pas votre maître d'hôtel. Cependant, je peux peut-être vous procurer quelqu'un. Décidément, vous êtes un homme de ressources. Voilà les cartons, madame. Merci, je vais les placer moi-même. Qu'on ne dérange rien jusqu'à ce soir. Je rentrerai à la dernière minute. Bien, madame. Vous voyez que ma vie n'est pas amusante. Non, ce dîner est assommant. Un sénateur, un académicien, un ambassadeur, une sociétaire... La classe enfantine. Voyons. Le sénateur à ma droite. Ici, l'ambassadrice. Non, non, pardon, pardon. Vous permettez... à votre droite, l'ambassadeur. L'ambassadrice, là-bas. Oui, mais le sénateur est plus âgé. Naturellement, mais l'ambassadeur est notre hôte. Le sénateur étant certainement retombé en enfance, vous pouvez très bien le mettre à un bout de table. Vous m'amusez. Engagez-moi comme chef du protocole. Voyons, l'académicien, ici. Il parlera tout le temps, vous n'aurez qu'à sourire, et vous pourrez tranquillement penser à votre nouveau chapeau. Vous n'auriez pas un général par hasard? Ah, non. Ah, ça c'est regrettable. C'est très décoratif, les généraux. Dans l'ancienne Russie, on en louait pour la soirée. Non, ça ne fait rien, nous en passerons. La sociétaire. Ah, la sociétaire, personnage officiel. Et combien est-elle de 12e? Mais comment voulez-vous que je le sache? Vous devriez le savoir. Vous savez tout ça, vous? J'ai servi dans une grande maison. Laquelle? La mienne. Mais c'est pas votre voiture? Non, nous l'avons remplacée aujourd'hui même. Celle-ci est plus digne de vous. Vous voyez, rien n'y manque, vous aurez même chauffeur et valet de pied. Qui est ce garçon? Mon associé. Voulez-vous me permettre de vous présenter? Je suis Émile Panard. Enchanté. Mes respects, madame. Allez, astique, astique. Ça ne te donne pas des regrets? Et toi? Oh, moi, j'en suis malade. Tu l'as vu, le taxi, comment qu'il les batte, hein? Oui, ça doit gazer, hein? C'est ça qu'il nous aurait fallu, tiens. Bon.
dis, il y a tout ce qu'il faut pour écrire. Ouais. Quand même, les journaux, tu sais, ils ont de la veine. Oh, moi, je m'enronne d'être à la retraite. Bah, nous avons une autre heure. Place aux jeunes. Non, mais garde un peu. Ouais. Alors, tu n'as jamais ce qu'il y a comme manette. Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oui, oh, et les cadrans. Ah là là. Ah, oh, moi, je suis toujours gonflé, pas toi? Bon, moi, je pense plus, tu sais. Bah, évidemment, quand je vois ça. Si tu t'apprends bien un petit tour, hein. Ouais. Bah, t'es comme moi, mon vieux. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Tous ces avions. Oui, et ce n'est pas gai de remuer le fond de l'eau. Oh, c'est marrant de se retrouver comme ça tout de même. Dis donc, alors t'es dans le cinéma maintenant? Ah oui, oui. Oh, tu sais, je me suis toujours intéressé à ce qui est neuf, moi. Ah, t'es acteur? Non, non, je serais plutôt assistant. Assistant? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, assistant, c'est... Ben, c'est celui qui assiste, quoi. Mais qui assiste à quoi? Oh, ça va, dis, je te ferai un dessin. Dis donc, il emmène combien d'essence ton taxi? 2000 litres. Et en ce moment, on est en train d'installer deux réservoirs en surcharge, tu te rends compte, tonton? Oh, dis donc, j'irais bien faire un tour avec, moi. Oh, ben c'est facile. J'ai un pote ici, Mougeot. Je lui en parlerai, je dirai que t'es mon copain, il t'en refusera pas. Non. Oh, ben voyons. Émile, combien qu'il en a descendu d'avion, ton patron? Oh, on les compte plus. Seulement, c'est pas un gars qui travaillait pour les fêtes, tu sais. Lui, il se foutait pas mal d'avoir son nom dans le communiqué, hein, Jules? Oh, oui, alors. Pourquoi qu'il a plaqué l'aviation, alors? Ah non, c'est l'aviation qui l'a plaqué. Tu comprends, il arrive des moments où on en a marre, surtout quand le destin s'en mêle. Oh, tiens, si on a vu un coucou comme ça pour Paris-Tokyo. Oui, c'est ce coup dur-là qui l'a dégonflé. Hein. Dégonflé, lui, dégonflé? Mais il est plus gonflé que n'importe quel genou. C'est mon dame, pas. Il a laissé des plumes. Ah oui, et quand on perd ses plumes, c'est difficile de continuer à voler. Tiens, Big. Oh. Moi, j'ai perdu les miennes, ben depuis, je reste au sol. Ah, toi, t'es un type dans le genre de Samson. Toute ta force, c'était dans tes types. C'est ça, faut le faire une indéfrisable. Qu'est-ce que vous racontez, là, tous les trois? Ah, rien, j'ai rencontré un copain, Laurent Jaspine. Ah oui, ben mettez-moi au courant. Ah non, ça, c'est inscrit. Si t'es bien gentil, je te le raconterai. Allez, allez, vous en faites pas, il vous fait marcher ses rapports à mes cheveux. Ah, t'as pas changé, toi, t'es toujours aussi bourreur de crâne. En tout cas, pour faire marcher quelqu'un sur le tien de crâne, faudra lui faire adhériser les pompes. À cause du dérapage. Dis, Émile, Madame Fontaine demande si tu t'es occupé de son maître d'hôtel. Ah, mais il sera chez elle ce soir. J'ai téléphoné à Alfred, mon pote. Il est bien. Oh, ouais. C'est un ange que je te dis. Encore un qui n'a pas eu de chance. Il a fait tous les métiers. Maintenant, il est larbin. Ouais. Faut bien vivre, on se passe. Ah, évidemment. Pas. Excellence, ce qui était molto divertente. Mon cher maître, que pensez-vous de la hausse de la livre? Je ne l'ai pas encore lue, madame. Je crois que le maître est un peu dur d'oreille. Pardon me. Ça ne fait rien. Avez-vous des éléphants, Alfred? Quoi? Have you some elephants, tiger? Oh, yes. Son Altesse possède la plus belle collection de sacrés éléphants que je connaisse. Oh. Voilà. Rapportez ça et tu reviens. Fais attention. Allez, vas-y. Ah, mais attends, t'en as oublié une. Attends, non, mais baisse-toi, mon vieux. Là, vas-y. Allez, ça le reprend. Monopole, 23. C'est un original, le garçon-là. Il ne casse jamais rien. Jamais. C'est loupé. C'est très curieux.
On m'avait bien dit que les artistes ne vivaient pas comme tout le monde. Oui, oui, n'est-ce pas? Ma femme adore la beauté. Est-ce qu'il va nous montrer tout ce qu'il sait faire? Oh, vous, je vous retiens. Mais où avez-vous été pêcher ce numéro-là? Pas pour un numéro, c'est un numéro bien fameux encore. C'est un des meilleurs que j'ai jamais vu. Mon chapeau! Oh, ils sont de mode du monde, c'est un scandale. Mes invités vont croire que je me suis payé leur tête. Ça, faut pas lui en vouloir, mais chaque fois qu'il sert à table, il est repris par son ancien métier, oui. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas avoir une assiette ou une bouteille sans jongler avec. Oh, chère petite amie, quelle charmante idée! Très originale! Oui, quand vous n'en voudrez plus, moi, je l'engage pour le prochain grand dîner de l'ambassade. Hein? Je crois que je les ai eus. Enfin, ils en étaient comme deux ronds de saucisson. C'est très bien, mon ami, c'est très bien. La prochaine fois, il faudra prévenir. Monsieur désire que je serve le café et les liqueurs? Non, non, mon ami, ça suffit comme ça pour ce soir. La femme de chambre servira. Vous pouvez vous retirer. Ça gaffe pas comme tu veux? Ben non, j'ai encore loupé ma cravate, mon vieux. Ah, oh, tant pis, ça va. Ah, tu manques d'entraînement, toi. Si tu veux rejouer les gandins, faudrait que tu fasses encore quelquefois la double commande, hein. Bon, mais tu dégotes, tu sais en siffler, toi. Ouais, il me serre un peu sous les bras, mais enfin, j'ai pas trop engraissé quand même, hein. Oh, si, mais t'as pas bougé d'un pouce. Un peu de brioche. Oh, si. Bon, mais dis, tu t'es parfumé à la naphtaline, toi. Alors, ça t'amuse comme ça de revivre l'ancien temps, toi? Ah, je le croyais pourtant bien mort. Ah, tu sais, il y a des morts qui ressuscitent. Surtout quand deux beaux yeux sont mis dans la tête de les réveiller. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mmh, avec ça que t'es pas mordu, hein. Ah, tu dérailles, mon pauvre Mémile. Bon, mettons que ce soit moi qui déraille. En tout cas, ouais. Toi, tu t'aiguilles sur une drôle de voie, hein. Une voie de garage. Dis donc, en parlant de déraillement, il y en a eu un fameux ici, tu te rappelles? C'est là que la conduite d'huile a éclaté et que le moteur nous a plaqué. Ouais. Quelle belle glissade, hein. Ah, si jamais on avait eu... Tiens, le bimoteur qu'on vous prête pour le film, nous on passait les doigts dans le nez. Il est fameux, tu sais, ce taxi-là. Moi, je l'ai étudié, hein. Faut toujours que tu fourres ton nez partout, toi. Dis donc, pourquoi tu ne demanderais pas à Mougeot de t'emmener? Tu irais faire un tour avec lui, puis de temps en temps, il te passerait le manche. Je suis sûr qu'un, après deux séances de double, mais toi, tu lui en remontrerais. Vous n'avez pas l'air gai. Je suis un peu étourdi. Vous avez perdu l'habitude du champagne? J'aurais préféré vous emmener dans un endroit plus modeste. Oh, je n'ai pas de chance. Je croyais vous faire plaisir. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas très bien si je dois vous être reconnaissant ou vous en vouloir. Vous avoir amené ici? Non. De m'avoir brusquement rejeté dans mon passé. Tout le monde dit que vous avez de l'avenir. Tout ça ressemble à un rêve un peu cruel. J'ai très peur du réveil. Vous êtes le seul homme qui ne m'ait jamais fait la cour. Les autres, les riches, les puissants, sont toujours à mes pieds. Vous, vous êtes beau, vous ne dites parfois des choses très désagréables. Et pourtant, dès notre première rencontre, je vous ai porté intérêt. Pourquoi? Je vous ai intrigué. J'étais un personnage que vous n'aviez pas encore rencontré. Un homme qui n'a pas peur de la vérité. Vous m'en avez dit cruel. Vous m'en avez voulu? Au début, bon, oui. J'avais envie de vous gifler et de vous mettre à la porte. Et puis... Et puis? Et puis, je me suis sentie plus faible. Il y a en vous une telle force. Faut croire que je ne déteste pas la vérité, de temps en temps. Comment pourriez-vous être sincère quand chaque geste que vous accomplissez est étudié, quand tout ce que vous faites est truqué, quand chaque jour, sur votre visage, vous peignez un autre visage, quand vos cils ne sont pas à vous, quand vos larmes même sont glycérines? Oh, voilà que vous recommencez. Il me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas coquette avec moi comme avec les autres. Que vous ne jouez pas à la comédie. Vous jouez toujours, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous voulez me faire de la peine pour voir si je peux pleurer de vraies larmes? Eh bien, soyez content, vous avez réussi. Oh, pardonnez-moi, je suis une brute. Vous vous trompez entièrement sur mon compte. Je suis beaucoup moins compliqué que vous ne pensez. Depuis
depuis 15 jours que nous tournons ce film imbécile, je ne vous ai jamais vu qu'à tiffer, parer, maquiller. Comment peut-on découvrir une âme sous tout cet artifice? C'est pourtant du moment où je me démaquille. Oh, ben, je voudrais bien vous voir dans un de ces moments-là. Nous sommes vus ce soir. Non, 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 ce soir, vous n'êtes pas encore tout à fait vous-même. Vous êtes trop élégante, vous portez trop de bijoux, il y a trop de luxe autour de nous. Je voudrais qu'un jour vous vous habilliez très simplement. Je vous emmènerai à la campagne, dans une guinguette, dans mon taxi. Je tâcherai de m'échapper dimanche, voulez-vous? Oui, c'est ça. C'est ça, échappez-vous. Échappez-vous, ne serait-ce qu'une fois. Venez avec moi respirer un peu d'air pur. Allez, vous garderez le tout. Merci, monsieur. Alors, nous partons? Oh oui, je suis un peu lasse. Mademoiselle, je vous prie de venir. Voilà, je m'appelle Janine. Merci. Attendez. Voilà, bien sûr. Pardon, monsieur. Oh, couturier, ça par exemple. Comment, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu es devenu depuis si longtemps? Tu as complètement disparu après cette malheureuse tentative. Ah ben, j'ai voyagé à l'étranger, tu sais, j'étais un peu dégoûté, n'est-ce pas? Tout le monde m'a laissé tomber. Ah oui, c'est plutôt ton avion qui t'a laissé tomber, mon pauvre vieux. Ben. Mmh. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je m'occupe de cinéma. Mais oui, c'est Margot Fontaine qui est avec toi. Eh ben, dis donc, tu n'as pas changé, hein? Tu ne t'embêtes pas. Non, non, ça, tu te trompes, Madame Fontaine est mariée. Hein. Oui, avec ça que ça te gênait, les maris, quand nous étions dans l'escadrille. Excuse-moi, mon vieux, mais on m'attend. Oui, 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 je te laisse. Écoute, passe-moi un fil à ces jours. Tiens, voilà ma carte. Je serai content de dîner avec toi. On bavardera tous les deux. Avec plaisir. Hein? Tu t'occupes toujours d'aviation? Toujours? Eh ben alors, à bientôt. Au revoir, mon vieux, à bientôt, hein? C'est ça, au revoir. Pardon, mais mademoiselle, il faudrait rendre la liberté à Madame Fontaine. Merci, mademoiselle. Allez, encore un peu de mousseux, Mme Margot. Oh, ça vaut pas la veuve Clicquot, mais ça met de la joie au cœur quand même. Moi, j'aime mieux le doux. Ça me rend affectueux. Eh bien alors, vas-y, ma poulette. Et puis, comme dit l'autre, hein, à nos amours. Allez. Oh non, non, oh, non, non, moi je ne veux plus boire. Là, j'ai déjà la tête du tout. Oh, il faut pas vous mettre la tête à la mer, mon petit peu de choses, Mme Margot. Voulez-vous faire un petit tour en bas? Oh, oui. C'est ça, eh bien les gens chics, allez vous promener. Et si vous en faites pas pour nous, hein, vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, je m'occuperai de madame. Bah les pattes, hein. Vous ne rompez pas le charme. C'est si doux, cette barque qui glisse, cette musique qui s'éloigne. Vous êtes bien? Oui. La valse meurt. La valse est morte. Cette journée aussi va mourir. Pourquoi toutes les choses doivent-elles mourir? Comme vous voilà mélancolique, tout à coup. Je suis telle que vous vouliez me voir, sans phare, sans artifice. Feu l'artifice. Je vous préfère ainsi. Moi aussi. Oh, quelle détente. C'est la première fois que je peux montrer à quelqu'un mon vrai visage. Je suis enchantée de faire votre connaissance. C'est vrai, vous ne saviez rien de moi. En fond, je suis une femme très simple. Si vous connaissiez mes origines. Je suis partie de rien, vous savez. Moi, je suis parti de haut et je ne suis arrivé à rien. C'est drôle, là. Vous trouvez? Oui. Nous avons parcouru le même chemin, tous les deux, mais en sens inverse. Et c'est maintenant que nous nous rencontrons. Trop tard. Pourquoi dites-vous ça? Il n'est jamais trop tard. Oh, si, vous êtes monté trop haut. Et moi, je suis descendu trop bas. Nous pourrions nous rejoindre? Moi, je crois que j'ai atteint mon sommet. Dans mon métier, on redescend toute la pente. Si vous montiez un peu, monsieur l'aviateur, vous ne rencontreriez un Michelin. Ah, je crains bien que l'altitude me soit défendue à jamais. Nous pourrions continuer la route tous les deux.
dans la vanne. Hélas, vous avez déjà un compagnon. Tabesco? Mais c'est encore un mari de cinéma. Celui-là, il fait partie de mon standing, comme mon habilleuse et mon maquilleur. Vous n'êtes pas marié réellement? Mais si, bien sûr, mais toutes les stars le sont. Il nous faut toujours un impresario, un protecteur, un monsieur chic, avec un beau nom, pour repousser les chefs ou les rebuffades. Je ne me verrais pas très bien dans ce rôle-là. Mais vous ne viendrez pas non plus à l'idée de vous proposer. Alors, vous voyez bien? Oui, je vois. Non, je vois que le courant nous entraîne. Il serait temps de songer à atterrir. Allons, allons, encore un peu de cran. Il faut monter le courant. Comment c'est dit ? Je peine un peu. Mais vous m'ordonnez du courage. Pour vous, je crois que j'irai au bout du monde. Et nous atterrissons comme une fleur. Quelle bonne journée. Dommage que nous soyons déjà arrivés. Oh, mais pourquoi ne pas la prolonger cette journée? Improvisons un petit dîner tous les quatre ici chez moi. Nous ne voulons pas vous déranger. Me déranger? Mais vous me ravirez. Au contraire, c'est dimanche, pas de domestique. On va organiser un pique-nique entre nous. Hein? Mais vous savez, c'est à la fortune du pont. Oh, mais nous sommes gentils hommes de fortune. Alors, alors, voyons, mais il a un peu de discrétion. Oh, c'est vous qui faites des manières maintenant. Allez, Emile, vous vous occuperez du festin. Bien fait. Allez. Encore un coup de rouge, Mme Margot. Vous gênez pas, j'ai mal tourné. Parce que cette coûte. Il a raison, reste comme chez vous, Émile. À la bonne vôtre, Mlle Rose. Au moins, je me crois à l'Élysée. Je ne connais pas, mais ça va être comme ça. Par exemple. Mais c'est insensé. Mais ça dépasse l'imagination. C'est la fin du monde, en vérité. Ça commence. Vous soupez avec ces gens-là, maintenant? Je soupe avec des camarades qui sont de braves gens. Si la grande duchesse, ma noble, sainte et digne femme de mère, vous avait vue, elle vous aurait fait donner le pnout. Mais, cet accueil, les domestiques sont couchés? Oui. Mais c'est un scandale. Pourquoi? Mais, parce que je n'ai pas dîné, donc. Si vous voulez nous faire l'honneur de vous mettre à notre table. Moi? C'est tout à fait la bonne franquette, vous savez. À moins que vous ne préfériez attendre votre petit déjeuner. On peut vous le servir dans 12 heures exactement. Poussé par la nécessité et l'instinct de la conservation, j'accepte. Mes aïeux m'ont doué d'un appétit qui fait passer sur bien des compromissions. Cette théorie fut toujours la mienne, cher monsieur. Asseyez-vous donc. Mille grâces. Nous avons encore une place assise, monsieur le comte. Je rougis d'être une créature à l'estomac bestial. Je vous remercie, mademoiselle. La chair est faible, mais parfois exquise. C'est bien mon avis, mademoiselle. Oui, c'est ce que je pensais en regardant mademoiselle. Oh, mais dites, vous avez tout de l'œuvre, vous. Prenez-vous à pas confondre. Autrefois, au théâtre impérial, j'ai connu une première danseuse à qui vous ressemblez étrangement, mademoiselle. Une aile de pigeon, cher ami. Je ne suis pas votre cher ami, mais mademoiselle est charmante. Et âge, je m'en canard. Je sens que je vais boire comme un moujik. Ben alors, en avant la moujik. C'est à boire, à boire. Si nous ne nous grillions pas, que nous resterait-il à nous autres aristocrates? Quelquefois, un grain de folie. Alors, vous m'avez bien compris? Tout est prêt? Le temps de recharger l'appareil, monsieur Darnac. Bon. C'est prêt? C'est prêt, il n'y a qu'à mettre le contact. Bon, alors je file. Au revoir, fiston. Eh bien, messieurs, montez dans l'avion. Nous tournons la scène de la grande envolée. C'est une des scènes les plus importantes du film. Quand vous lèverez le bras, on enlèvera les cales. Vous donnerez juste à peine de gaz pour faire quelques mètres avec l'avion, n'est-ce pas? Après, nous couperons. Et nous raccordons avec le vrai départ de l'avion, piloté par M. Chonivès. Vous n'avez qu'à tirer sur ces manettes. Pas trop fort, vous décolleriez.
D'ailleurs, vous êtes un ancien collègue, vous devez connaître la manœuvre. Oui, je crois que je me rappellerai. C'est que les appareils ont changé depuis vous. Pas les hommes. Madame Fontane, on va tourner. Oui. Voulez-vous aller vous placer à côté de l'appareil ? Numéro 114, 10, première fois. Allez-y. Je vous aime. Je voudrais faire une grande chose pour m'élever jusqu'à vous. Mais ce n'est pas dans le texte. Vous m'avez dit, il faut remonter le courant. Rappelez-vous. Eh bien, je crois que je vais le remonter. Seulement, j'ai besoin d'un mot d'encouragement. Si je monte assez haut, si je vais assez loin, me rejoindrez-vous? Oui. Au bout du monde? Au bout du monde. Alexis vient de s'envoler sans prévenir personne. Et il emmène Silvio avec lui. Vous y comprenez quelque chose? J'ai peur de comprendre. La radio, monsieur Dornac. En route pour tenter liaison Paris-Tokyo. Je vais essayer battre record. Priez à m'excuser auprès maison pour empoindre l'appareil que j'espère restituer intact et victorieux. Signé Alexis de Saint-Grisol. Ça alors. Alors, ça grave? Admirablement, dépêchons-nous. Combien de temps pour faire le plein? Oh, vous en faites pas une demi-heure au plus. Oh, on est déjà arrivé? Oui, et vous pourrez même coucher dans votre lit ce soir. Oh, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais téléphoner pour vous faire arrêter. Tu vois, si tu bouges, je te casse la gueule. Non, mais je te fatigue pas. Allez, allez. Allez, tonton, va une fois, envoie-moi le tuyau. Allez, grouille!
connais ça comme un timbre-poste. Eh ben, si tout va bien, dans 100 heures, ils sont rendus. Qu'est-ce que t'en dis de ça, mon petit frisé? Ça comme culot, ça. Il a lancé Silvio par-dessus bord. Mais non, il a dû le déposer sur un terrain quelconque où il s'est arrêté pour faire le plein. Vous voyez bien que c'était un coup monté. Ouais, mais notre film, comment va-t-on le terminer maintenant? Je m'arrangerai. Les amis, édition spéciale, tout l'unité. Le poste Radio Marseille a capté un nouveau message de Saint-Grisol et Panard, qui poursuivent leur route vers le Japon. Tout va bien à bord. Il n'y a qu'une façon de nous en tirer. Comment? Je vais changer le scénario. Ah, il y avait longtemps. Mais vous ne pensez qu'à votre film, qu'à votre argent? Mais eux qui risquent leur peau, vous en moquez. Allô, allô? On nous prie d'informer nos auditeurs que le départ de l'avion, qui naturellement a été filmé, sera projeté ce soir sur les principaux écrans de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne suis pas un enfant. C'est une recette magnifique assurée et une excellente publicité pour le film. Si toutefois M. Dornac arrive à le terminer un jour. En attendant, je sombre les meubles. Vous avez fait ça? Vous voyez que quelquefois j'ai des idées. Moi aussi. Chose pour m'élever jusqu'à vous. C'est pas dans le texte. Vous m'avez dit, il faut remonter le courant, souvenez-vous. Eh bien, je crois que je vais le remonter, mais j'ai besoin d'un mot d'encouragement. Si je monte assez haut, si je vais assez loin, me rejoindrez-vous? Oui. Au bout du monde? Au bout du monde. Faire interdire cette bande. Ça ne passe que 6 fois par an. Vous êtes devenu une célébrité, mon cher. Et quelle publicité pour le film? Vous êtes la dernière des dernières. Et vous me le paierez cher, allez, tous les deux. C'est votre faute, vous avez voulu sauver les meubles. Hein? On est sans nouvelles des aviateurs Saint-Grisol et Panard. Aucun message n'a été reçu depuis celui capté par le poste Radio Milan. Je demanderai le divorce. Si vous croyez que c'est ça qui me préoccupe. Et je l'obtiendrai à mon profit. Plus de 120 salles ont projeté cette ravissante scène d'amour et d'actualité. Si vous saviez comme je m'en moque. Oui, mais pas moi. Mon arrière-grand-père, qui était grand officier
de l'ordre des 600 000 rhinocéros, a dit un jour dans notre famille, le ridicule ne tue pas, il blesse simplement. Une glorieuse blessure de plus. Eh bien, tout est pour le mieux. Saint-Grisol et Panard sont en avance de plus de 2 heures sur leur horaire. Tokyo leur prépare une réception enthousiaste. Aucune indiscrétion. Mais ne sommes-nous pas maintenant comme deux sœurs réunies dans la joie? Nous ne devons avoir aucun secret l'une pour l'autre. Alors voyons, que dit-il ce brave Émile? Oh, vous savez, la littérature, c'est pas son fort. Bien arrivé, beaucoup de vent, tendresse, humide. En effet, on dirait qu'il a pris le train hier et qu'il vous annonce l'arrivée d'un petit voyage en province. Écoutez, Émile, montez très haut, arrivez au bout du monde. Ne venez pas m'y rejoindre, car nous repartons vers vous à tire-d'aile. Tendrement, Alex. Évidemment, il n'y a plus de mots. Mais ça doit coûter cher un télégramme de Tokyo à Paris. Court tour. Nous avons attrapé une tempête de neige qui ne nous a pas quittés jusqu'ici. Oh, quelle folie! Et nous avions hâte de rentrer. Ah non, non, ne vous dérangez pas, nous avons télégraphié qu'on nous envoie notre voici. Où faut-il conduire ces messieurs dames? Au bout du monde. Ah non, merci, on en vient.